Bien. Finissons ce qu'on a commencé. Oh, et doucement. Alors, Nadine Ross. La ferme. J'allais dire que t'as l'air en forme. T'as pas compris? Qu'est-ce qui pue? Oh pardon, Votre Altesse. Je n'ai pas vraiment eu accès au savon et à l'eau courante récemment. J'aurais... Eh oui, de tous les gens que tu aurais pu ramener. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, tu sais. Au cas où ça t'aurait échappé, elle a aussi essayé de nous tuer un bon paquet de fois, Nathan et moi. Ouais, bah si tu te rappelles bien, à l'époque, vous avez voulu la tuer, vous aussi. Oui, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'on va lui tourner le dos, elle va planter un couteau dedans. Je vous entends, vous savez. Je sais. Moi, j'ai confiance. Tu sais quoi? D'accord. Je suis probablement un tout petit peu à cran, parce qu'on va repartir d'ici sans rien. Mais tu dois avoir l'habitude. Je me trompe. Oh merde. Très mature, merci. Ça suffit, les enfants. On remet ça quand tu veux. Je t'attendrai à la récré. Oh. Dépêche-toi! Il semble que les rois aient une dernière épreuve. Bon, on dirait que vous avez plus besoin de nous. Alors on va vous laisser... Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez, Shiva offre à Parashurama la hache, qui tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre. Non. Ouais, elle a raison, Chloé. Il va te tuer! C'est vrai. Mais si vous refusez, vous les regarderez mourir à petit. Arrêtez! Fais pas ça! Rien par ici. Essaie pas de gagner du temps. Shiva et Parashurama. Parashurama et Ganesh. Et maintenant? Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Et toi? Patience à rude épreuve. Ah.
Attends un peu. Il cède. Elle va tomber! Tais-toi! Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. Tais-toi et regarde. Il a cédé. Hein? Ça va? Ouais. Je l'ai pas vu venir. Nom de Dieu. Elle en a dans le froc, hein. Mais... Tu m'étonnes. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Ganesh a volontairement laissé la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non. En fait, Ganesh aurait pu battre Parashurama les doigts dans le nez. Mais s'il l'avait fait, alors la hache de Shiva aurait eu l'air faible et inutile. Ganesh s'est sacrifié pour préserver l'honneur de son père. Mais elle, elle a compris. Et pourtant, elle n'a pas une goutte de sang à dire. N'est-elle pas magnifique? Quoi, vous n'avez plus rien à dire? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre. Mes bons amis, j'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront aux dieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non mais sérieux, faut vraiment en arriver là? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifié pour renaître. Mets-nous une balle, qu'on en finisse. Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous ont amenés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux. Connard. Bon, ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu te casser la gueule encore une fois. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde? J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi? Patience et longueur de temps. Ha ha, ouais! Moi, maintenant. J'arrive. Les dames d'abord. Chloé, ma chère, sans vouloir te presser, tu pourrais pas te manier les fesses.
un peu humide. Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre! Tu crois qu'il nous a vus? J'espère pas. Où est-ce qu'Assa va trouver un hélico? Ça doit être l'acheteur. Comment ça? J'ai entendu Assaf parler d'une ancienne gare de triage, une histoire de vente d'armes. Il va vendre la défense. Drôle de façon de préserver sa culture. Hé, attends une seconde. Écoute, tout à l'heure, merci pour... Je suis professionnel, c'est tout. Bien sûr. Sans rancune? Non. Je m'en doutais. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah, la voiture est là. Elles sont sympas.